Je ne l'attire d'aucun titre, d'aucun parti, d'aucune coterie. Je ne l'attire que de vous, de nul autre. Nombre d'autres pays traversent ce mal-vivre qui est le nôtre. Mais je crois profondément que nous pouvons trouver une voie pour en sortir tous ensemble. Je le veux pour la France, parce que c'est notre vocation, au travers de l'histoire, d'ouvrir ainsi des chemins jamais explorés, pour nous-mêmes et pour le monde. Je le veux pour nous tous, Français, parce qu'un peuple qui se divise à ce point, qui ne respecte plus ses lois et l'amitié qui doit l'unir, est un peuple qui court à sa perte. Sans images, d'autres morceaux ne seraient que de la vidéo, d'autres ne seraient que du son à écouter sur une plateforme de son. C'est ça que j'aimerais faire, mais alors après c'est aussi une question de temps et de finances. Hein. Mais c'est ça que j'aimerais faire, mais alors après. Ah, je m'entends parler. Non, c'est Marc qui a recréé le micro. Alors attends, je vais juste enlever. Ouais, je coupe le micro de Marc. Désolé, Marc. Il me semble que la langue, l'écriture, alors je parle vraiment de l'assemblage des mots et de la voix doit être tellement fort et tellement puissant parce que il n'y a rien à faire, hein, donc on est envahi d'images. Hein, j'ai encore regardé des chaînes info ce matin en déjeunant, on est envahi d'images, on est bien d'accord là-dessus. Si on prend la vidéo d'Arnaud hier sur la rue de la guerre, eh bien, à un moment donné, en plus, la rue de la guerre, c'est la référence au film d'Agnès Varda que je connais vraiment par cœur, au bouquin d'Anne Savelli aussi que j'ai lu, c'est tellement fort les plans qui se succèdent de cette rue de la guerre que finalement, on a besoin de très peu de texte et heureusement qu'Arnaud n'a pas parlé sur toute la vidéo parce qu'on a juste quelque chose d'incroyablement fort dans le montage de tous ces plans de la rue. Et voilà, c'est cet équilibre qui est extrêmement difficile à trouver. Ça se suffit. Et moi, j'en étais là, en tout cas, la dernière fois que j'ai arrêté de, quand j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est que je ne savais plus qu'est-ce qui était prépondérant, là où je voulais aller, et voilà. Mais ça reviendra, hein. Des discussions comme celle-ci vont servir. Attention. Ah merde, j'ai pas pensé à ça. Faut mettre un petit poids. Ah bah oui, le truc il va flotter. Ouais, bien sûr, que ce soit bien. Bon bah, tu envoies un petit SMS quand t'arrives quand même.
C'est vachement beau ce moment. Pêcheur, il pêche, il est pêcheur à la ligne, hein. Ah oui. Et il pêche sur le lac de Grandlieu. Attilia, le doux nom de votre mère sentait si consolé. Elle s'est éteinte peu après ses 99 ans, comme en son temps sa mère. Elle est venue d'Italie avec ses parents, Eugenio et Maria. Ses frères et ses sœurs, Joseph et Joël, Albert, Henri, Regina, Tricky et Germain. C'est déjà si loin. Le temps a effacé leur part. Elle était la dernière mestice. Certains repartirent à fumer les métaux, son village natal, d'autres faire souche dans le Gers. Reste la mémoire d'une époque de ravage et d'espoir, la grande guerre les avait poussés hors du pays de nouvelle vie.